These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Robert and Mireille meet in the courtyard of the Sorbonne. They are getting to know each other when Mireille realizes she's late for an appointment. She rushes off, leaving Robert to contemplate the spring day and write a postcard to his mother. C'est une merveilleuse matinée de printemps. C'est le 29 mai. Il est 11 heures. Dans la cour de la Sorbonne, un jeune homme sourit à une jeune fille. Elle lui rend son sourire. Excusez-moi, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il crie ? Pourquoi est-ce qu'il manifeste ? Je ne sais pas, mais ils ont sûrement raison. C'est vraiment beau, n'est-ce pas ? Oui, c'est une belle matinée. Vous êtes étudiante ? Oui, je fais de l'histoire de l'art. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain ? Oui. Mais vous n'avez pas d'accent du tout, pour un américain. Vous êtes bien gentille de me dire ça, mais vous savez, je n'ai aucun mérite. Ma mère est française. Ah, votre mère est française ? Oui. Quand j'étais enfant, je parlais toujours français avec elle. Il y a longtemps que vous êtes en France ? Non, depuis hier seulement. Je viens d'arriver. Et vous habitez où ? À la cité U ? La cité universitaire ? La maison américaine ? Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier, le Home Latin. C'est pas luxueux, mais c'est propre et pas très cher. Et vous venez souvent en France ? Non, c'est la première fois. Ma mère est française, mais mon père n'aimait pas beaucoup la France. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances aux Bermudes ou en Amérique latine, où mon père avait des intérêts. Vous passiez vos vacances en Amérique du Sud ? Mais pourquoi dites-vous « mon père n'aimait pas, avait des intérêts » ? Est-ce que votre père... Ah non. Mon père vit toujours. Il est même en excellente santé. Mais mes parents sont divorcés, je ne vis plus avec eux. Ma mère est remariée avec un Argentin. Alors les Bermudes, les vacances en famille, tout ça, c'est le passé. Ah, je comprends. Et qu'est-ce qu'il faisait votre père quand vous étiez petit ? Il travaillait dans une banque. D'ailleurs, il travaille toujours dans la même banque depuis 25 ans. Ah oui ? Et quel genre de travail fait-il ? Il est caissier ? Gardien de nuit ? Il est vice-président. Il n'y a pas de sous-métier, comme dit ma tante Georgette. Mireille reste silencieuse quelques instants. Excusez-moi, je dois rentrer chez moi. C'est loin chez vous ? Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner ? Non, c'est pas loin, c'est tout près d'ici. Et je veux bien vous permettre de m'accompagner. Comme vous dites. On ne dit pas ça ? Si, si, mais vous avez l'air si cérémonieux. C'est que je ne veux pas vous ennuyer. Vous ne m'ennuyez pas du tout. En fait, pour être franche, je vous trouve assez sympa. Enfin, je veux dire sympathique. Tenez, si vous voulez, on peut aller s'asseoir quelques minutes au jardin du Luxembourg. C'est tout près d'ici et c'est juste à côté de chez moi. Et ils vont au jardin du Luxembourg. Ça, c'est le Sénat. C'est là que les sénateurs se réunissent. Et moi, j'habite juste en face. Mais tiens, asseyons-nous ici. J'oubliais. Je devais amener ma petite sœur à son cours de danse à 11h30. Quelle heure est-il ? Midi. Mais qu'est-ce que maman va dire ? Excusez-moi, je me sauve.
Le soir, au coin de la place Saint-Michel, Robert est installé à la terrasse d'un café. Il va écrire une carte postale à sa maman. Ma chère maman. Qu'est-ce que je vous sers ? Un café, s'il vous plaît. Un express ? Très bien. Je suis à la terrasse d'un café, place Saint-Michel. Merci. Le soleil se couche. Le ciel est tout rouge derrière le Louvre. Il fait très doux. C'est une belle soirée. Les Parisiennes portent des pulls blancs et des jupes rouges. Elles sont très gentilles. Bon baiser, Robert. S'il vous plaît, vous avez des timbres? Ah non, il faut aller dans un bureau de poste ou un bureau de tabac. Ah bon? C'est combien? 4,50 francs. Où y a-t-il un bureau de poste? Vous en avez un là-bas, de l'autre côté du pont, à droite. D'accord, merci. Zut, c'est fermé. C'est le 29 mai. Il est 11 heures. Observez. C'est le 29 mai. Il est 11 heures. C'est le 10 juin. Il est 9h10. C'est l'été. Il est midi. C'est le matin, il est 7 heures. C'est lundi, il est 8 heures. C'est mardi, il est 9 heures. Voyons si vous savez répondre. C'est le combien? C'est le 29 mai. Et là, c'est le combien? C'est le 28 mai. Attention, maintenant, c'est quel jour? C'est mercredi. Et là, c'est quel jour? C'est samedi. Et là, quel jour est-ce? C'est jeudi. Attention maintenant. C'est quelle saison? C'est le printemps. Et ici, c'est quelle saison? C'est l'hiver. Quelle heure est-il? Il est 11 heures. Quelle heure est-il? Il est 2 heures. Regardez cette jeune femme. Elle va demander quelle heure il est. Quelle heure est-il? 8h30. On dit aussi quelle heure il est. Regardez. Oh, mais quelle heure il est? Midi 10, mademoiselle. Dis donc, quelle heure il est là? Oula, oh là là, là 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 là. Continuons maintenant. Quel jour est-ce? C'est le 29 mai. Quelle saison est-ce? C'est le printemps. Quelle heure est-il? Il est 10h50. Bon, c'est le 29 mai. Il est 10h50. C'est le matin. C'est une belle matinée de printemps. Ici, c'est le soir. C'est une belle soirée de printemps. C'est le soir. C'est une belle soirée de printemps. C'est le matin. C'est une belle matinée de printemps. Il y a des manifestants. Robert ne sait pas ce qu'ils disent, il ne sait pas pourquoi ils manifestent. Il ne sait pas ce qui se passe. Excusez-moi, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Regardez la petite fille ici, ça ne va pas. Et son père ne sait pas ce qui se passe.
Alors, qu'est-ce qui se passe, ma grande? Robert ne sait pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Mireille non plus ne sait pas de quoi il s'agit. Elle ne sait pas pourquoi il manifeste. Mais elle est sûre qu'ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'ils manifestent? Je ne sais pas, mais ils ont sûrement raison. Bon, j'arrête. Tu as raison. Je crois que je vais en prendre deux ou trois. Tu as tort. Tu vas être malade. Avoir raison, avoir tort. Tu veux un bonbon? Non, merci. Tu as tort, ils sont très bons. Vous êtes étudiante? Oui. Qu'est-ce que vous faites? De l'histoire de l'art. Qu'est-ce que vous dites? Je fais de l'histoire de l'art. Vous êtes, vous faites, vous dites. Moi, je viens des États-Unis. Robert vient des États-Unis. Maintenant, observez Mireille qui lui demande s'il vient souvent en France. Et vous venez souvent en France? Moi, je viens des États-Unis. Et vous venez souvent en France? Écoutez bien, il y a trois sons de voyelles différents dans ce verbe. Je viens, vous venez, ils viennent. Je viens, vous venez, ils viennent. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Oui. Mais vous n'avez pas d'accent du tout pour un américain. Vous êtes bien gentil de me dire ça, mais vous savez, je n'ai aucun mérite. Ma mère est française. Robert parle très bien français. Il est américain, mais il n'a pas d'accent américain quand il parle français. C'est normal, parce que sa mère est française. Il n'a aucun mérite. Et vous, votre mère est française? Non, ma mère est espagnole, alors j'ai un petit accent espagnol. Maintenant, écoutez bien ce dialogue. Vous allez imiter Mireille. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? À vous maintenant. Vous êtes Mireille. Moi, je viens des États-Unis. Ah, vous êtes américain? Ah, vous êtes américain? Ah, vous êtes américain? Oui. Continuons. Écoutez Mireille qui demande à Robert où il habite. Et vous habitez où? À la cité U? Ah non, j'habite dans un petit hôtel du quartier. Robert habite dans un petit hôtel du quartier latin. Mireille habite dans une maison de la rue de Vaugirard. L'hôtel de Robert n'est pas un hôtel luxueux. Ça, oui, ça c'est un hôtel luxueux. Le Ritz à Paris aussi est un hôtel luxueux. Et ça, c'est un appartement luxueux? Oui, c'est un appartement luxueux. Et ça, c'est un appartement luxueux? Non. Ça, ce n'est pas un appartement luxueux. C'est pas luxueux, mais c'est propre et pas très cher. L'hôtel de Robert n'est pas luxueux, mais il est propre. Voilà une chambre propre. Voilà une chambre moins propre. Voilà un monsieur qui est propre. Mais ici, il n'est pas propre. Il est sale. Lui, il est propre. Mais lui, il n'est pas propre, il est sale. Et ça, c'est propre ou c'est sale? C'est propre. Et ça, c'est propre? Non, c'est sale. Ça, c'est sale. L'hôtel de Robert n'est pas cher, il est bon marché. 120 francs, ce n'est pas cher, c'est très bon marché. Ça, ce n'est pas un hôtel bon marché, c'est un hôtel cher. Luxueux et cher. Ici, les fruits sont chers. Mais ici, les fruits sont bon marché. Les abricots à 4 francs, c'est pas cher. C'est même très bon marché. Les abricots à 5 francs, c'est plus cher. Mais c'est encore très bon marché. Ça, ce n'est pas un magasin très cher. C'est un magasin assez bon marché. Ça, oui. C'est un magasin cher. Ça, ce n'est pas une robe chère. Mais ça, c'est une robe qui doit être chère. Et cette voiture? Vous croyez que c'est une voiture chère ou une voiture bon marché? C'est une voiture chère. Et ça? C'est plutôt bon marché. Et vous venez souvent en France? Non, c'est la première fois. Une fois? Deux fois? Trois fois? Regardez là, je frappe une fois.
Maintenant, je frappe deux fois. Et maintenant, je vais frapper trois fois. Et Robert, combien de fois est-ce qu'il est allé en France? Quatre fois? Trois fois? Non. Deux fois? Non. C'est la première fois. Non, c'est la première fois. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances aux Bermudes ou en Amérique latine. Quand il était petit, Robert passait ses vacances aux Bermudes ou en Amérique du Sud, en Amérique latine. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Il passait toujours ses vacances aux Bermudes ou en Amérique du Sud. C'était une habitude. Mireille aussi a des habitudes. Par exemple, elle a l'habitude de s'asseoir sur ce banc. Marie-Laure aussi a des habitudes. Par exemple, elle a la mauvaise habitude de se mettre les doigts dans le nez. Robert et ses parents avaient l'habitude de passer leurs vacances en Amérique latine parce que le père de Robert avait des intérêts en Amérique latine. Il avait des affaires, des intérêts financiers. Mireille se demande si le père de Robert est mort. Mais non, 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 il n'est pas mort. Il vit toujours, il est en vie. Ah non, 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 mon père vit toujours. Il est même en excellente santé. Robert aussi est vivant. Mireille aussi, elle est vivante, elle vit, elle est en vie. Vos dents aussi sont vivantes. Si vous les brossez régulièrement. Vos dents sont vivantes, pensez à les brosser. L'oncle Guillaume aussi est vivant. Il vit toujours, il est toujours en vie. Mais l'oncle Casimir n'est plus vivant, il est mort. Sarah Bernard aussi est morte, Balzac aussi est mort, Édith Piaf aussi, Chopin aussi est mort. Ils ne sont plus vivants, ils sont morts. Ils sont vivants, ils sont morts. Mireille est vivante. Elle vit avec ses parents. Elle vit à Paris, rue de Vaugirard. Question. Est-ce que Mireille vit avec Robert? Non. Elle vit avec ses parents. La mère de Robert vit en Argentine, parce qu'elle est remariée avec un Argentin. Le père de Robert vit aux États-Unis. Il est banquier. Il travaille dans une banque. Ça, c'est une banque française. Ça aussi, c'est une banque française. Le Crédit Agricole aussi, c'est une banque française. Ce sont des banques françaises. Mais le père de Robert travaille dans une banque américaine. Il est vice-président. Ce monsieur aussi travaille dans une banque. Il est caissier. Il est à la caisse. Cette dame aussi est à la caisse. Elle est caissière, mais dans un café, pas dans une banque. Cette dame aussi est caissière, mais dans un cinéma. Et ce monsieur est gardien de nuit. Être caissier, c'est un métier utile, honorable. Être gardien de nuit, c'est un métier utile. Tante Georgette dit que tous les métiers sont utiles et honorables. Même être vice-président d'une banque, c'est un métier utile et honorable. Il n'y a pas de saut métier, comme dit ma tante Georgette. Évidemment, Mireille est ironique quand elle dit ça. Elle est moqueuse. Elle se moque un peu des vice-présidents de banque. Mireille reste silencieuse. Elle ne dit rien. Elle se tait. Elle garde le silence. Le silence, silencieux, silencieuse. Excusez-moi, je dois rentrer chez moi. Mireille doit rentrer chez elle. Il faut qu'elle rentre chez elle. Elle a du travail, sans doute. Mireille doit rentrer chez elle. Ce n'est pas loin, elle habite tout près. Robert et Mireille sont à la Sorbonne et Mireille habite ici, rue de Vaugirard. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin de la Sorbonne, c'est tout près.
La tour Eiffel, oui. La tour Eiffel, ça, c'est assez loin. Mais la rue de Vaugirard, c'est tout près. C'est loin chez vous? Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner? Non, c'est pas loin, c'est tout près d'ici. Et je veux bien vous permettre de m'accompagner. Comme vous dites. Mireille se moque de Robert parce qu'il a l'air cérémonieux. Il ne dit pas « Je peux vous accompagner ?» Mais il dit « Est-ce que vous voudriez bien me permettre de vous accompagner ?» C'est très poli, mais c'est un peu cérémonieux. Voilà une cérémonie. Ça aussi, c'est une cérémonie. Un mariage, c'est une cérémonie. Et voilà un monsieur très cérémonieux. Mireille est franche. Elle dit les choses directement. Je ne vous ennuie pas. Si, vous m'ennuyez. Vous voyez qu'elle est franche. Franc, franche. En fait, pour être franche, je vous trouve assez sympa. Enfin, je veux dire sympathique. Tenez, si vous voulez, nous pouvons aller nous asseoir quelques minutes au jardin du Luxembourg. Ils vont s'asseoir sur un banc. Il s'assoit ou il s'asseye. C'est le verbe s'asseoir. Il s'assoit, il s'asseye. Regardez cet homme et cette dame. Ils vont s'asseoir. C'est vous. Mireille habite en face du Sénat et du jardin du Luxembourg. Le Sénat est d'un côté de la rue et Mireille habite en face de l'autre côté de la rue. Cette dame et ce monsieur sont assis en face l'un de l'autre. Ici, Mireille et Robert sont assis à côté l'un de l'autre. En face, à côté. Oh, oh là là, j'oubliais. Elle a oublié qu'elle devait amener Marie-Laure à son cours de danse. Marie-Laure oublie aussi quelquefois. Observez ici, elle a oublié combien font 9 fois 6. 9 fois 6. 9 fois 6. J'ai oublié. Mireille doit amener Marie-Laure à son cours de danse. Regardez, vous allez voir Marie-Laure qui amène Fido à Robert. Elle amène Fido à Robert. Amener, elle amène. Robert écrit une carte postale à sa mère. Le soleil se couche. Ici aussi, le soleil se couche. Ici aussi, le soleil se couche. Et ici, c'est Marie-Laure qui se couche. Il fait très doux. Il ne fait pas froid. Il ne fait pas chaud. Il fait doux. Il fait bon. La température est douce. Les Parisiennes portent des pulls blancs et des jupes rouges. Robert n'est pas un observateur très objectif. Mireille habite Paris. Elle est parisienne. Hubert habite Paris. Il est parisien. Ce monsieur n'habite pas à Paris. Il n'est pas parisien. Bon baiser. Robert. Robert envoie des baisers à sa mère. Voilà le baiser de Rodin. Ici, Marie-Laure donne un baiser à son père. Ici, Marie-Laure donne un baiser à tante Georgette. Ici, Marie-Laure donne un baiser à tonton Guillaume. Voilà un gros baiser. Un baiser. Vous avez compris? Oui? Tenez, monsieur. Donnez un baiser à mademoiselle. Vous permettez, mademoiselle, pour apprendre le français? Oui? Alors, monsieur, donnez-lui un baiser. Voilà, très bien, c'est ça, vous avez compris. Vous apprenez très bien le français. Maintenant, Robert a besoin d'un timbre pour envoyer sa carte. S'il vous plaît, vous avez des timbres. Voilà des timbres. Des timbres. On peut acheter des timbres au bureau de poste ou bien dans un bureau de tabac. Où est-ce qu'on peut acheter des timbres? Dans un bureau de poste ou dans un bureau de tabac? Pour acheter des timbres, on peut aller soit dans un bureau de tabac, soit à la poste. Le bureau de poste est après le pont. Ça, c'est le pont au change. Ça, c'est le pont Neuf. Et ça, c'est le pont Mirabeau. Ça, c'est un pont romain.
Ça, c'est un pont du Moyen-Âge. C'est le pont d'Avignon. Ça, c'est un petit pont. Et ça, c'est un grand pont, le pont de Tancarville, en Normandie. Maintenant, observez bien ceci. Ma mère est française, mais mon père n'aimait pas beaucoup la France. Quand j'étais petit, nous avions l'habitude de passer nos vacances aux Bermudes ou en Amérique latine, où mon père avait des intérêts. Vous passiez vos vacances en Amérique du Sud ? Aimait, était, avion, avait, passé. C'est le passé. C'est l'imparfait. Voyons ce que vous avez appris. Regardez. C'est le combien ? C'est le 29 mai. Bon, maintenant, quelle heure est-il ? Il est 11 heures. Est-ce que Robert est souvent venu en France ? Non, c'est la première fois. Est-ce que Mireille vit seule ? Non, elle vit avec ses parents. Est-ce que Mireille habite loin de la Sorbonne ? Non, elle habite tout près. Où est-ce qu'on peut acheter des timbres ? Au bureau de poste. Bon, pour être franc, moi je trouve que ça suffit comme ça. Au revoir tout le monde, à la prochaine fois.